Oui, madame, une fois de plus, dans le programme, il y a Africa Cool Télévision. Oh, tout ça, on a toujours pour analyser l'actualité politique qui est en Bokanabiso. Je suis sur mon plateau avec Maître Joël Kitenge Awa en direct. Il y a Province, il y a Grand Katanga, Makati, il y a Ville, il y a Lubumbashi. Maître Joël, Mbotenaï. Bote Mama Thérèse, bote pe bande de konyoso ba mesana kolanda biso na Afrika kol. Katanga, ça va, hein, Maître? Katanga za République démocratique du Congo. Nga za Congolais. Et beaucoup de gens au balanda biso, ils savent que mes racines sont au Kasaï et mes racines sont aussi dans les grands Katanga. Nga za mwana na mabele, nga za Congolais, il y a souche des pères et des mères, comme on aime bien le dire, Petoyaki, na mission Batnyoso Baebi, pour travailler, pour vendre sa bicoro, pour zongi sa boyokani, pour kende ko conscientiser, ko dépolitiser la vie de la société. Puisque ce qui est mis politique na nyoso, tobomi mboka. Voilà, Maître Joël Kitenge, et le monde a eu tokolobila penza ba actualité ya mboka na biso comme d'habitude to banda na kamo tali élection ya ba gouvernement pe ba vice-gouverneur awa na mboka na biso o to ebi depuis un certain temps to assista ki na vent moko ya o ba banda ki kokwisa ba gouverneur et ba élection et salami ba tebele ba félicité penza union sacrée ba lobi place mingi o bino ba bo aligna ki ba candidat na bino bo rafler ba place wana bozi ba place wana to ko s'attarder pe beaucoup plus na o yize ya ville province de Kinshasa et pa wapi je koko bulumba moko ya bino ya UDPS a ko travailler avec Gentiline Ngobila. Est-ce que vous croyez que présence ya je koko pe mena Gentiline Ngobila et comme ma un vent nouveau? Donc question nga ezan na deux volets: élection, il y a ma candidat Union Sacrée, et puis élection, il y a Jekoko Mounouba, Pembeni, il y a Gentiline Ngobila, Maître Joël Kitenge. Merci Maman Thérèse pour la question. Dengue au Tounibiso, Yaliboso, toke ko félicité. Bandeko, ba maman, pe batata, puisqu'il y a eu des endroits où ba gouverneur Bazaya Basi, bipa ike msusu bazali ba mibali, ba maman, pe batata, ou ba ponami, na ba députés provinciaux pour la ko présider de manière ya ko tambuisa. Bah, et tout kawapi bali au trouver dans la France province. Mais ici, il faut reconnaître cette fois-ci, malgré toute critique aux akouta, les coachings payants, il y a Augustin Kabouya. Malgré tout ce qu'on essaie de lui reprocher en interne et ceux qui ne connaissent pas l'extérieur, il y a IDPS analyser le tout, il a montré un management payant. Toutes les listes, il y a IDPS place Bakende qui nous avons gagné. Et il a essayé et il a si convaincre de manière diplomatique Nakatia politique, puisque Toza IDPS n'a pas lié au bas Nakatia Union Sacrée, comment nous avons obtenu le soutien à bas députés provinciaux, à bas partis alliés Nakatia Union Sacrée, et mais également, nous pensons que c'est cela est pour permettre Mokondiamboka à qu'un de quoi soit gestion entité territoriale décentralisée par la province, n'a pas tout au bas Nakatia vision naïe, puisque Mbabate. Beaucoup de provinces ont été gérées presque une année dans la AI. Et ensuite, aujourd'hui, nous avons déjà, et il y a un mandat, au Bakeko Ponama, dans Mikolo, Mitikali, Mbouke diriger la province, Babituka, Oana, Ndenge Sengeli, Pe, Tolekina, Mikro, et Africa Cool, pour nous approcher, que ce soit na Olomami, à Tanganyika, Sankuru, Kasai Occidental, Kasai Oriental et beaucoup d'autres, Norubangi. Bref, il y a un certain nombre de provinces. Nous leur disons félicitations et nous les attendons aux actions, aux choses à la concrète. Maman, Kasi, Likambolitali, Ngomba Mokonzi, Kinshasa, Kinshasa, c'est capitale la de la République norme. Je démocratique. crois que nous saluons l'élection. Il y a Ndekorabiso, honorable Jekoko Mulumba Gérard, dit Jekoko. Akeko vice-gouverneur, mais au regard, il y a gestion exécutive provinciale, marche de manœuvre, il y a vice-gouverneur Zanine. Et ça limité. Et il est là, alors que le gouverneur aussi est là, bah, ministre provincial sectoriel, Bazali, Bazako agir, ce n'est qu'une fonction de moins bon, qui pour moi ne représente pas grand-chose. Alors, attendre que Gekoko va impulser la gestion de Gobila, non. Je ne vois pas comment il va impliquer la gestion de Gobila, puisque Gobila lui-même est l'ombre de l'échec. Le Gobila égale l'échec, égale incompétence, Gobila égale populisme, Gobila égale incapacité à maîtriser
la gestion de la ville de Kinshasa, mais néanmoins, il est capable d'avoir réussi à mettre Godé Poï dans sa poche et tous les autres députés provinciaux qui sont dans la poche de M. Ngobila. Ça, il faut déjà dire que la gestion de la ville de Kinshasa est un échec. Maître Joël Kitenge, présence ya Jikoko Mulumba Otoebi ke binoso ya IDPS to mona daya ma odioninge eza ko circuler na ba réseaux sociaux ba combattant bazolo bababi ngo bazoke bisa gentini babi gentini keba Jikoko aza Néron Mbungu te. Est-ce que c'était une bonne décision? C'était une bonne décision de votre part en tant que parti au pouvoir ko aligner un vice-gouverneur oyomo ko ti koloba ke ba marche de manœuvre na ye eza penza limité eza do eza loko a poste mo donc onze ka ga oza no na ga échantillon et tout. Est-ce que c'était une bonne décision ya ko aligner un candidat vice-gouverneur na ville province de Kinshasa? Bon, mais je crois que ville ya Kinshasa lelo na configuration na yango d'abord eza cosmopolite. Tous les catégories, il y a étrangers, indiens, ouest-africains, libanais, européens, bref, toutes les catégories, il y a race, il peuple, il y a Ngoma Mokonzi, il y a Kinshasa. Mais à part cet aspect que nous avons, ces catégories, tous les autochtones, mais depuis un certain temps, la coutume a fait que l'ensemble des gouverneurs qui se sont succédés viennent de la province, de la grande communauté à province Yabandundu, pour des raisons que je ne peux pas comprendre, puisque sous Mobutu, on en a eu des gouverneurs Équateur, Baluba et autres. Alors pour cet équilibre, ça a été aussi mieux yako associé na gestion à ville province à Kinshasa pour avoir un équilibre géopolitique. Batiape moto ou outi na espace Kasai, mais qui est un Kinois de manière générale. Ça pouvait aussi être mieux de remplacer aussi Néron Mbungu par un Ekongo. Tout a été des gestions, mais à l'Union Sacrée, ils ont décidé yakotika tike na moko mutaoti na Kasai na yepe aoti na Maindombe espace à Grand Bandundu pour essayer de gérer la ville de Kinshasa. Pour moi, nous trouvons que c'est justice. Et pour quelles raisons? Puisque du point de vue y a bah parti politique au Bazana, bah député dans l'Assemblée provinciale. C'est nous qui constituons la majorité à parti politique. Aucun parti à lui seul n'a 12 députés. Bisson de Toza, sans alliés. Toza déjà n'a 12. Plus alliés, nous avons déjà une majorité écrasante dans quatre assemblées provinciales, tout en reconnaissant qu'il y a des opposants dans quatre assemblées provinciales. Mais par contre, gestion à Gentiline Ngobila qui nous inquiète. Bon, je me demande la raison pour certains continuer à les soutenir, je ne sais pas pourquoi et pour quelles raisons. Est-ce que vous êtes consolé dans l'échec il y a l'élection de sénateur? Pour ma part, l'élection de sénateur est tikalaki moko ya bilembo ya kolaki sa combien au sein ya parti politique Nabiso déjà était prêt de sacrifier Félix Tshisekedi qui lui seul en train de se battre pour l'émergence à Grand Congo, mais les gens étaient prêts ya kolanda mbongo Kolanda jeep, Kolanda voiture, pour lui seul, à se retrouver, mais que parti et perdre. On a vu que l'élection de sénateur, c'est là qu'il le langage de l'égoïsme et la suite qui doit être faite. Et on a tout ça qu'on sentir, même les lots dans certaines responsabilités, les gens se focalisent plus dans l'avenir, dans la santé économique, plutôt financière, dans bango personnel, qu'intérêt à parti. Puisque au Comor attend toi là qui le secrétaire général a pu envoyer beaucoup de listes, beaucoup de jeunes, même nous-mêmes nous avons été publicités, envoyés dans certains cabinets où nous n'avons pas été reçus. Bakamati bana, bakamati bandeko, bakamati ba relation, sans que correspondait mon ordre de la partie. Alors que le combat tant que biso tobande ko bunana batunyo soana, il y a des gens qui estiment non, il y a ekoya, non, le combat et perpétuel d'après des générations et des temps, Moutoura na Tanae, mais nous nous réapproprions du combat de tous ceux qui ont lité la Kataï de PS avant nous. Tant que vous moana, c'est vrai, papa au Bunda. Tant que vous Semeki, c'est vrai, Mobale Aya Nae au Bunda. Tant que vous collègue Nayo, c'est vrai, collègue Nayo Bunda. Mais au sein du parti, vous avez na baninga, vous avez na leki, vous avez na batu oyo, ba Bunda. Et ils ont des compétences qui peuvent accompagner efficacement le cabinet politique na babiro ya baïke. Donc moi je crois que l'élection ya ba sénateur restera pour nous mémorable combien les députés provinciaux de l'IDPS font preuve d'une grande médiocrité et de l'intérêt personnel et ils n'ont pas de leçons à donner aux gens. Puisque même quand on chassait Kabound, on les a vus renaître pour faire les débats. Alors moi je me disais,
Bible a raison. Abi avant longo la paille, oya na liso ya moninga bikola na nu poutre oza na kati ya liso na yo, batwa nefanga basi sana on ponti oza na kati da bango ya kanyaka, ya même lelo. Quelle est l'efficacité à contrôle parlementaire alors que nous avons 12 députés à IDPS s'il faut analyser la gestion de la ville à Kinshasa sous Gentili Ngobila? Et vous vous rendrez compte, les députés au Bazali, organe à contrôle, paix à suivi, à évaluation, à Misala, à exécutif et provincial, sont en train de signer un collectif. Il y a soutenant, on appelle ça les mots que j'oublie encore, le collectif qui soutient Gentili Ngobila. Et nous les avons vus lire les communiqués devant la presse. Nous, députés, tout ça, réitérons notre soutien. Ça ne se fait pas. Voilà, merci. Ça ne se fait pas. Puisque Baza organe est à contrôle. Quand les députés nationaux soutiennent, par exemple, le président de la République, en déclarant, il faut soutenir que les députés n'ont pas élu le président de la République. Ce qui est différent. Dans l'Assemblée provinciale, bangonde ba électeur ya gouverneur, bangonde ba kolande la misala ya gouverneur. Lorsque beaucoup ba mukala nae, imaginez comment les Kinois sont restés dans leur triste sort et toutes les initiatives faites de Ngobila ne font que l'ombre de l'échec. Voilà. Et je prie beaucoup que Dieu s'occupe de Ngobila, qu'il ne termine pas ce mandat puisque nous récolterons beaucoup d'échecs. Prière les amabé maman. Na lobby mabe prière na sambele linzambe asokipe eza mabe mokolo ya vendredi na sambele soute pongo bila ko kama kamute na kisasa mokolo ya vendredi bandeko o basanga na kata lisanga bloc patriotique tu bisonyo so bloc patriotique za lara FCC la muka basanga na wana na quelques confessions religieuses basanga na wana pour que basanga na ki voilà basala ki sitting na bango na palais du peuple pour na ko exiger un consensus autour des réformes électorales. Maître Joel Kitenge, na ko singana nos réalisations s'il vous plaît, vous pouvez moi extrait à vidéo et puis tout en a tout juste après. Voilà l'ambiance qui règne en ce moment. Le SP Manuel Chadar lui-même assis par terre. Il réclame le consensus. Voilà, il est là. Voilà, Maître Joël qui était tout petit bongo kolanda vidéo ya bandeko ya bloc patriotique tomoni ba bilinga ba Ramazan Chadai tomoni ba kabange Nundi tomoni ba prince Penge tomoni pena représentativité représentation ya lamuka FCC o basangani bazo tele mababeti loboko na mesa bazo exiger consensus autour ya ba réforme électorale. Maître Joël, point de vue na yo. Bon, merci d'abord pour la vidéo. Moi je crois que nous saluons, malgré que mieux vaut tard que jamais, il y a comme dans opposition, la ménopause politique, c'est quand même quelque chose de saluer combien Robandasco pilipili, gaz et lacrymogène, Mbangu, na liboumo, après avoir bouffé pendant 18 ans et tout ça, liboumo, souke, okokatate, na motundoana, c'est normal de saluer ça. Mais par contre, c'est na quand il y a M. Martin, na Mouzito et les autres, il y a qu'à évaluer na marche wana baza ba accompagnateur baza ba acteur et mariage wana des circonstances à bloc patriotique eza piloté de manière idéaliste au ezali lisanga ya ba inikaka puisque l'individu, la personne de Félix Tshisekedi, on le hait. Première analyse. Deuxième aspect, il semble que baza koluka consensus na makambo etali loi électorale au ezali na débat na parlement. Non, parce que clôturer débat. Bon, je dis clôturer débat, peut-être ça va aller à la commission PAJ et puis il y aura quelques relectures, ensuite peut-être kokende na Sénat pour la seconde lecture et puis après kokende kozala, n'est-ce pas? Na étape ya souko balobaka ya publication promulgation côté ango et comme en vigueur na to ko ba français lingala bantu ba kolanda yango. Maman, consensus est à l'égénine.
boyokani. Po batu bayokana, il faut ba solola. Ata biblia ekoloba ke batomi bale, bako tambola nzela moko soki bayokani te. Voilà. Boyokani kuna na kati ya parlement, nous n'avons que deux courants. Bayi opposition, bayi majorité. Tango ya laki na débat, ça veut dire les gens qui ont une autre opinion que ba 13 au bakende ko proposer débat ya loi wana, nous avons tous constaté que na siège pe a son âme ya papa Arito Malokondo batia ki pancarte ya photo monene en mémoire e bakobenga ka ya droit d'auteur to respect ya valeur scientifique ye mto akende ki ko produire makanisiwana. C'est vrai, Azala qui député à PPRD, juriste de haute facture, est très très rationnel. Est-ce que Ari Thomas Lokondo a motoyi de pèse? Ari Thomas Lokondo a kota union sacrée en denga koufi. Et kokoma enrichi. Après Ari Thomas Lokondo, nous avons vu celui qui a porté les flambeaux pour donner beaucoup de détails, professeur Njoli. Est-ce que Azali motoyi de pèse? Je n'ai ajouté Delice Sanga Lubaya, Patrick Mouyaya qui est du Palou et beaucoup d'autres éléments des députés de grande valeur au bas constitué le bloc là de 13 parlementaires qui ont réfléchi sur la valeur et les débats sur la loi électorale. Maman, maintenant, la dite loi Ezala, loi organique au bas sala débat pelé le coma d'application au bas institué pour que Bavandi Saseni na Ebonga et Outa et pas à Christophe Lutundu la pena pala. Nous n'avons jamais initié aucune loi tant qu'il dépasse. En ces formes-là, que ce soit celle dite électorale, que ce soit la loi dite organique que les constitués peuvent organiser CENI, nous avons seulement apporté notre réflexion comme membre de l'Union sacrée, comme député à IDPS dans les débats proposés par le PPRD, proposés par l'ensemble, il y a Moïse Katumbisou et Lutundula, proposé par le MLC, Jolly, proposé par Envol, Delice Sanga et consort. Et dans ce niveau-là, on va accuser qui, maman? Soki Batouba, Sila Soni, Bako, accuser Nan, pour te proposer l'autre côté. Tout est l'autre côté, Namessa, toi, porter ma canisse. Tangu, Ntingi, Nande, Komara, Mboka, Noël, Chani, Bako, na ma canisse, Nabango, ma canisse, Wana, et Eko, Erite, Baninga, Bate, Pembenite. Honorable Tsingi, abaloli yango komo bakobenga ka amendement pour que ba insérer certains raisonnements na ba logistique ya article za ko constituer débat loi électorale. Le débat a été fait et on a rejeté presque à 90% les amendements, mais on a retenu logistiquement certaines petites phrases venant d'amendement ya Tsingi pour y entrer. Est-ce que Tsingi est-il député de l'IDPS? Est-ce que Noël Chani est-tu le membre de l'IDPS? S'il faut aller même dans la considération, on gagne la lingakate, mais toi essayez kaka. Tsing est-il même Kassayan? Non, il n'est pas. Il est né Congo. À ce niveau-là, il faut dire que le consensus, c'est au sein du palais du peuple. Na quatrième cycle, que chaque député, vous êtes du PPRD ou de quel clan politique, je me demande, ouye na baïde na yo. Pour dégager et l'ensemble plénière tranche. C'est comme cela qu'on peut dire le consensus et la voix de la majorité triomphe. Mais à les attendre marcher, maman, bah, le consensus à l'électoralité, le consensus là, il précise bien leur mot, une discussion en dehors les cadres institutionnels. En dehors, il y a parlé du peuple. D'ailleurs, voilà. Parce que ça répondait ben, oh, déjà. Tout le monde a parlé, tout le monde a Sénat, tout le monde a gouvernement, tout le monde a CENI, tout créé au Bakobengaka une sorte de Senko bis. C'est la troisième voie. Troisième voie, tout solo là, bato au Bako participe, Bako y a la qualité. Et le contexte au Toko solo là, Nayango, est soutenu par quelle voie constitutionnelle? Maître Joël Kitenge, si on l'a fait du temps des papas Étienne. Et tout le monde qui est même qui, quand même, qui m'a, pourquoi ne pas le refaire? Bonne question. Très bonne question. Comme tout journaliste professionnel et qui sait bien analyser l'actualité, madame, qu'est-ce que c'est à Kobangate? Qu'est-ce que c'est à Li, tant que tout ça là qui n'a 2016, puisque moi, dans mon balo, il y a un mandefou, à Jota Kibiso Mibumi Balé Ofele. Nous étions dans le contexte et à fin mandat.
sans qu'on ait organisé les élections. Deuxième contexte, il s'avère que du point de vue de la Constitution, de manière claire dans la Constitution, Bakende qui coïncide était ce qui, comme il a souka un mandat à moto, Babengi président de la République. Pena et le Kwango a bongi si élection te, et que ça le mandengue ni. On peut qualifier ça d'une sorte de non-dit constitutionnel ou un vide constitutionnel en rapport. Il y a non-organisation à élection dans les délais constitutionnels. Alors, s'il faudrait tout s'atteler qu'à un article 70, Ndenge oncle Nangai, et Tsuka, Poké, Hoke, Dinga, Hoke, Jalamer, Menda, Bane, Kotange, Labiso, le président de la République reste en fonction. Mais ça heurte les esprits, puisqu'il reste en fonction dans la mesure où le processus électoral étant enclenché, et sous qui n'a nous terme était à Kovanda pour à cause de la remise et reprise. Mais tout comme il y a 2016, suite à l'élection exacte. Seigneur a là qui n'a mis soloté. Kimia y a là qui était, et on continuait à nommer, à faire des choses à ce moment-là. Nous étions en train de gérer la République au-delà du mandat légal. Et le dialogue est là qui impérier pour que acteurs politiques au Bazalaki au sein des institutions, opposition non institutionnelle, tokende kovanda, to trouver un mode opérant nous permettait à gérer les deux ans là où Ezalaki n'est que djonta beaucoup c'est. Mais dans le contexte autozali, les lots c'est vrai, tu sais que da sali mibu misa tout le toko ke na mobu ya mine. On n'a pas encore épuisé le premier 5 ans. Aux constitutions est pessillé. Et du point de vue à entame et organisation des élections, bureau a séné c'est terminé bonga. Bureau a séné à Kosala Moussala Nayango et tous les acteurs doivent être motivés de manière à mobiliser leur état-major politique pour que Tokende, certainement, en 2023, pour la Gokende Kosala élection, on va dialoguer maintenant sur quoi? Tolekisi délété, to violé aucune règle te, to za fin mandaté. Dire aux Tosati 2023, et ça, impossible, t'es pour t'organiser l'élection, maintenant on va aller dialoguer sur quoi? Donc, il n'y a pas de motivation si ce n'est que, tout solo là, pour que tu aies vendu ma mingue hôtel, qu'il y a un peu de soute, que tu aies un peu de gagner sous ma match, comme il y a un peu de polo, que tu aies un peu de moi poste. Langage congolais, c'est Congo est anniversaire. Est anniversaire. Nous avons un gâteau, nous avons un millier, nous avons un gâteau, nous avons un gâteau, nous avons un gâteau, nous Congo, c'est de la vie de nos enfants qui compte. C'est de l'avenir de cet État. Lorsque nous regardons Ndenge Kotambola, maman, nous avons un gâteau, nous avons un gâteau, nous avons un gâteau. Et il y a des choses que nous ne savons pas encore analyser, puis pour des raisons stratégiques. Tous ces gens qui mettent à tous ont un plateau africain cool, na Kinshasa, na siège, y a Afrique cool, neto kota makambwana na Mozindo. Il y a des problèmes, il y a des questions, il y a des dossiers. Vous sentez que l'autorité de l'État fait un problème. Vous sentez que des questions qui ont développé Congo, on est encore dans un pas ou dans un autre. Alors, s'il faudra tout tournoyer, puisque X a joué qui poste, il faut y avoir un tour Oyo. Nous pensons que le dialogue n'a pas sa place. Et puis nous félicitons le travail qu'a fait le président de la République. N'aspect qu'à quoi y a dialogue pour, je crois que Bongisa Kiango, n'aspect qu'à quoi y a dialogue, on a qui a posé l'ana bah groupe rebelle de part et d'autre, tel que ça s'est fait dans un pays voisin, là où chez Uhuru Kenyatta, tel qu'on nous a préparer ses assises, le président était clair. Dialogue na batouana que kanka na ndenge ya kotia kimia, bati kamandouki, bakende na désarmement, démobilisation, réinsertion, peko zongi sabango na vie à société. DDRS, tout ça. Il ne faut pas parler que bato bakamati mandouki, à sa formation te. Akene balingi lingwanda moko boya mboko biyo komi na kisi ya maimai aloye oye akomi colonel oye akomi general oye akomi lieutenant ya komi ajida ya komi mborombora molongo biloko wana nde bebi sa biso armé na boya kakutanga bakombo te pona dignité puisque si akomi nous avons des généraux na armée oye formation te non okukuta grade na même pas ya colonel te. Et on sait que celui qui était le porte-flambeau à Maï Maï.
lors ya oba benga ka ba brassage na ba mixage ya ba groupuscule na ba chef rebelle après ba dialogue oba sala ale yepe boko disen na armée ba pomper yo grade mais tant boko kamate bobolo ya soldat motin doara botindie na action il n'a aucun plan militaire il n'a aucun sens ya commandement et a causer armée dengini na causer ango d'après ses sentiments mais et qu'on coûte à lourd des tâches en écoquer là-bas académicien armé au bazar penza mingite. Et c'est ainsi que tu as vu le président monter pour mettre en place l'école de guerre, bah réformer ça qu'on s'appelle manakati armée, na centre supérieur militaire, bah remise à niveau, bah gestion logistique, gestion à commandement, bah courir pour que bambolombolo bah kota na fenêtre na armée, bah wata moi ABCD à gestion pour armée na bise comme compétitive. Le dialogue doit avoir des points au bakobenga ka référentiel. Nous allons discuter sur quoi pour aboutir à quoi. Voilà. Merci beaucoup, maître Joël Kitenge. Est-ce que la gouvernance attend pour expliquer bien ce yango malam malam tout que dans le Cambo Italie état de siège. Nicolas Utukole kamo konzambo ka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atena kibongo une réunion kuna na OIA pour na bas statuer sur avenir état de siège bazoa baza d'ailleurs ko préparer table ronde oyo et ko sale madame Nicolas Misael ko ya po ba ezwa décision ba ba soki état de siège et ko continuer tout et ko continuer te maître Joël Kitenge point de vue nayo par rapport il y a démarche wana selon Yonengomoni depuis ben installé état de siège tozo kende une année si je me trompe pas est-ce que il faut ba kata yango tout ba continuer na yango tout en sachant que ba groupe rebelle ou ba banda ki ko créer ba des ba insécurité wana kuna bazala ki déjà na kata li solo na mboka na biso kuna na ngambo ya Kenya mama mokonzi mboka aibu ke Kitenge Joël aza soda na médiatique je suis l'un des meilleurs lieutenants pour ceux qui acceptent et pour ceux qui ne les acceptent pas, n'a pas imposé aucun point de vue pour être accepté comme l'un des meilleurs lieutenants médiatiques. Et il sait que n'a pas que la caïma fouta jamais, mais n'a pas que la caïma boko ne lokoyo a que ma initiative, ce qui n'a pas que la ezali malam pendate qui tenga kenda ka kote te. Voilà. Table ronde, on gagne na yo, to kouta mea na katia katanga. Du point de vue, il y a Misolomi à l'État. Tu sais, il y a combien de délégués? Combien de gens qui ont passé des temps et des jours et des semaines n'a frayé à trésor public? Cet argent, s'il faut le chiffrer, que je ne vais pas avancer le montant. Ce que Sengela Kézala a affecté dans un secteur, ton projet de développement Mokoboy, est-ce qu'il y allait avoir manque à gagner? Pour que tu aies évalué l'état de siège, on n'a pas besoin de table ronde. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Pourquoi t'as pris que table ronde là va nécessiter ma cadre institutionnel, ma notable, ma chef coutumier, ma acteur et société civile, ma organisation et ma jeunesse, les différents acteurs à conflit, entre même, s'il faut même le dire au-delà, il y a, même dans ma pays voisin, si je ne permets pas, mais c'est une hypothèse, soit, et qui concerne Mana Kinshasa, il faut que ceux qui seront loués viennent. Soit au Kiko Sal Makuna na Ituri to na Goma, ba bazar yo pa na bipa ibaya. Ba ok vanda ba hotel, ba ok ende kolia et il y aura moi kandenge un franc de franc dengue kozalaka. Alors que le parlement est là. Voilà. Maman, le parlement congolais est payé par le frais à contribuable pour que ba kende ko évaluer misala mia gouvernement. Voilà. Le président de la République a répondu au Parlement, te poba évaluer misala na été, mais action et état de siège, c'est lui qui répond devant le Parlement sur le Premier ministre, sur le ministre de la Défense, à ce niveau, n'a pas service de sécurité impliqué quant à cela, ne va correspondre devant le Parlement. Commission sécurité et défense na kati Assemblée nationale. Bazana ba expert tel que constitué. Pourquoi ne pas faire une commission parlementaire? De ce fait, avec des experts, puisque le Parlement, c'est que les gens ne savaient pas. Bah, député, bah, ça, 500. Mais dans le cas du Parlement, il y a toute une administration parlementaire qui n'est pas constituée de députés. Tout ça, dans le bureau d'études, où ils ont constitué des experts dans chaque domaine. Voilà. Il y a des généraux. Bah, ça va fonctionner à l'État. Oui, bah, ça, bah, dépendant du Parlement congolais, bah, qui est à Kozwanga.
Baza kuna ba avocat, ba expert ya domaine, okay. Baza ko travaille kuna et il travaille dans l'administration. Au moins le bureau d'études de l'Assemblée nationale na Sénat, kuna ne ba travaille ka ba dossier nyonso. Le Parlement, du point de vue règlement interrompu à Mibeko, a koki ko sollicite expertise même ya yo, même ya ye, même ya in, c'est un service étranger tout technique ya domaine songolo pour que apporte ye maye le pe boanya boso solina likambo moko boye. Et le Parlement peut constituer une mission, même conjointe, avec des experts du gouvernement, notamment spécialement dans le ministère de la Défense, plus les experts, il y a cabinet du président de la République, où ils ont tout ce que nous appelons la CNS, Conseil national de sécurité, pour évaluer ces questions à moindre coût à Kinshasa. Ou si on délègue par exemple 3, 4, 5 personnes pour aller dans Ituri, ou aller à Goma, regarder toutes les implications nécessaires et discuter du point de vue d'argent, on aura économisé. Maintenant, Jean Kitenge, est-ce que ceux qui chef de l'État est moko acepeli ami kotisa, acha le beau connait na démarche ou wana, ils étaient peut-être par manque de confiance, il y a ndenge ba tenir sur ma créa ka qui entourage. Non, moi je crois que c'est des gens conseillent le président de la République. Le président lui-même y est moko azape na ye maye le boanya. Dans l'expérience qu'il a acquis auprès de Tien Tshisekedi wa Mulumba pour la gestion de la chose publique. Voilà. Mais mingi mécanisme sous ce que vous n'avez pas, il y a des experts, des conseillers, des bureaux d'études, présence présente dans le bureau d'études, voilà. Qui ce ne sont pas des conseillers, mais des experts aussi, au bas quoi apporter Bobanya na bango, Maël na bango, na ba domaine no bango, ba vendre ça boyebi. Peut-être cette proposition peut lui venir de ce genre de bureau. Ces gens-là peuvent les proposer. Non, papa, par exemple, n'a idée à qu'on ne coule solution ou dans état de siège, n'a idée à qu'on trouve une explication à qu'on soutirait Missolomi à l'État. Oh. Ça veut dire quand l'argent va sortir, ils vont, puisqu'il y aura des frais d'émission pour des gens. Dans ce sens-là, vos frais d'émission, prochainement, qu'on vienne, maman, il faut qu'on se retrouve. Donc, dans tout ça, attention que nous nous fassions une santé financière et pour résoudre nos besoins. Et passer à côté de vrais problèmes. Il y a certaines questions pour Nangaï et pour le président de la République et pour tous ceux qui nous suivent. Ce qui va longer, il est l'état de siège, va commettre et va kata ya mbeba ya monene. Okay. Il ne faut pas que longer le loco en allélo. État de siège et pekisi boibi ya minéré na bisonde banda kokene na ba pays voisins. Et le lot, l'économie, la Bango est en souffrance à cause de l'état de siège. Voilà. Bah, leader, il y a Est, entre guillemets, qu'on le croyait riche, sont en difficulté puisque bah, transaction na Mindou, qui n'a pas de côté kaka. Bah, ma boulou, la Bango, bah, minéré, est commis en difficulté. Et si on pince encore suffisamment, on aura des résultats escomptés. Maintenant cette attitude, allons au cap. Et tous ceux qui s'opposent à l'état de siège savent pourquoi. Pour Mikamakambo, Bango, Sala, Kana, Koukou, Bako, Kasuko, Salate. Voilà, ne cédons pas à ça. Merci, Mata Joël Kitenge. Nous espérons que Makantinayo et Kokoma et pas Mokonzamboka, parce que tu es bien, Balanda Kapinza, Afrika Cool, Télévision, Makasi, dans l'occasion, on a toujours profité pour nous saluer la première dame, Maman Denise Nyakero, moi, Chika Oloye, Ayaki Peko, accompagné le chef de l'État, Awa, na Vilia. Katanga. Ah, on a vu il y a le Lubumbashi. Ah, tu profites puisque tu m'as rappelé. Nous profitons aussi à vous présenter mes condoléances et pas maman Mokonzi Mboka et au président de la République particulièrement. Il a perdu sa tante. Hein? Sa tante, oui, Leki à maman Marthe était morte à Kinshasa. Je crois que Wazala qui n'a matanga. Bangonyo Sukuna n'a matanga, Kuna n'a mbiza. Donc toute la famille, il y a maman Marthe à Kassalou et le président de la République également, nous leur présentons nos sincères condoléances pour notre tante maternelle et la présidente de la République qui vient de décéder. Voilà, maître Joël Kitenge, tout ce que c'est le Kambo, où est l'information, où est circulée. Toujours, on apprend la libération de Daniel Massaro, où est le Balobi, Bakangie, Asambate, Balibéré, Asambate, Bakangakaye pour Nanini, Balibéré pour Nanini, maître Joël Kitenge, et puis Yosa, Motelamibé, qui m'a un peu coupé ça, ce mot éclairage dans le dossier à Daniel Massaro, et puis Kozaki, avocat, mais il y a quand même dossier, on a dit qu'il y a un peu de soubal, est-ce que le cola de Vital Kamere, Bakomibo, innocenté, le cola Zaki attaché dans le dossier, il faut à bénéficier de la libération, ou comment m'a un peu coupé ça, ce éclairage par rapport à la libération à Daniel Massaro. Non, moi je vais rester, ming, ming, na procédure.
procédure, hein, du point de vue procédural, na ndenge mibeko ebongisa, ndenge abimi biso na otoza na katanga, je n'ai pas essayé à kokota kotanga ordonnance pour que quoi accorder liberté provisoire. Et à ce moment-là, dans cette ordonnance, nous pensons que le juge a suffisamment motivé la décision na ya kopesa Daniel Massaro liberté provisoire. D'ailleurs, c'est un Congolais. La liberté est à Moutounio Saoki qui bénéficie na yango. Mais ce n'est pas aussi Eloko Akukama ceux qui m'ont bénéficié de la liberté. Tout comme Eloko Akukama ceux qui m'ont kangami. Dans un état de droit, Kokangama, peu Kolongwa na Bokangami, ça fait partie du principe clair, il y a droit. Bisomoko peto kota, bolok, bisomoko bénéficie de la liberté provisoire. Les gens pouvaient aussi s'interroger dans quelle manière M. Kitenga bénéficiait de la liberté provisoire. Comment est-il sorti de sa prison? C'est puisque il y a une procédure pour arrêter quelqu'un, il y a aussi une procédure pour accorder la liberté à quelqu'un. Mais néanmoins, dossier où il y a Vital Kamerhe, na batunyo soyo bakangama ki autour ya dossier rapport à Moïbina, maboko milai na kesi ya l'État. Je crois que les juges ont fait le nécessaire. Il y a qu'à analyser les dossiers et la Cour de cassation étant à ce jour saisie. En attendant, à qu'en de rendre verdict naïe, si et seulement si le droit avait été respecté, le verdict a été rendu, bah, reformuler décision à cour d'appel où il y a 13 ans pour retourner les dossiers devant la même instance pour que qu'en de kosambisa. À ce moment-là, bah, condamné nyonso à katia dossier, bah, zongi, bah, préveni. En attendant, donc, bah, présumé innocent, si faut le balangage, en attendant, une décision définitive ou ekoloba réellement likambo bwa ko reprocher bango ba sala ki penza si ko soki nesi ba innocenté Vital Kamerhe abimine maboko polele mais tonjo ki tenge do ba Massaro ba Muima ba Muima o Muindo Muima ba Muima ba papa oh je suis innocent Jamal papa Jamal bango nyoso wana ba kozala pe innocent deuxième volet ya question nga soki Kamerhe aza condamné ndenge ba msu bazulu ba ki peut-être ba ko bakisela ye tumbu c'est que bango pe ba ko subir même sort wana. Alors du point de vue ya mibeko no je crois code pénal article 20 21 puis 23 ezako la ki sa obako bengaka ba to obako meta ki likolo lokola ba acteur principal na ba complice ça veut dire ngai na sale loko na ngai mais yope osunga ki nga to tia ki loboko dans un autre sens pour accompagner l'intelligence ou y même qui commission y a ba infraction to makanisi wapi bazuzi bazako condamné yo. Alors ce qui l'action principale donc le au bazako poursuivre de manière principale comme auteur principal à longi et ba suite na yo to kobenga ba complice auront le même sort. Complicité du point de vue des droits bango pe bakokenda kakozwa et tumbuka ko ebongi na moto ya salaki likambo mpo pamba te bango pe batiake maboko mais pas de manière exclusive dans une certaine mesure après instruction appréciation du dossier on peut comprendre to ya limite ya complice o bakoki ko pesa e na o bakoki ko pesa moto ya banana ki na likambo na nuye moko. Alors dans l'hypothèse où Kamerhe si et seulement s'il arrivait à kozala akite na proseina, est-ce que Batunyoso, bah, Muima et tout ça, bango pe akozala? Oui, bien évidemment, puisque l'auteur principal est Alikambo et Ali Kamerhe. Ce qui bango balongi, en tout cas, est longue et kokote la pe Batunyoso. Ce qui baza condamné? Et ce qui baza condamné, il ne faut pas aussi dire de manière automatique. L'appréciation à Bazouzio bako samisande bako tala sikoyo, niveau pe degré à participation, il y a Batunyoso baza cité na katia, il y a dossier wana. Mais aspect à souka oyo mingi mingi batuba kolobaka retient le lope batunyo so balanda policier atinda ka mutu na prison te lorsque les policiers arrêtent bakutinda mutu na parquet akotinda moto na makala soki atiena nute suma po bakobenga ka suma nda d'arrêt provisoire te voilà pour dire moto moko takota makala sans kasamba voilà. C'est une fausseté, il ne faut pas moto retenir yango bongo. Chaque moto akenda boloko a samba. Ko samba, ko zala préveni, to ko zala inculpé, na condamnation, eza des choses différentes. Au cause de zo samba procédure eza en cours, mais tu n'as pas encore été condamné, tu ne peux pas dire que o samba te. Voilà. Puisque la condamnation, c'est ce qui vient, koya soit innocenté yo. Soit tu es question libella, mais avant, tu es innocent, tu es question libella, tu es yo.
Samba. Voilà. Mais tous les avocats qui ont défendu Massaro savent que Massaro a Samba. Voilà. J'étais à Makala, je vis et je sais à Samba. Merci beaucoup, Maître Joël Kitenge, pour la disponibilité. Na yo rendez tout succès entretien absent. Il y a week-end d'aller le mot de la fin, Maître Joël Kitenge. Pour aller le merci maman pour ton tamboli musica. Africa Cool mobile, à ce moment-là, nous nous retrouvons au Katanga, voilà. Africa Cool Bindombe, Africa Cool Congo Central, Africa Cool Machipisha, donc voilà. Africa Cool partout. Baka Mwate. Baka Mwate. Puis c'est pas congolais, nous sommes là capables de s'en soutenir, biloko mususu, et tout ça, grimper, voilà, bon, missi, missi, le botel, là-bas, police, pour que ne me mette pas de doxine à grimper. Et entre temps, grimper dans le débat médiatique, ton akin mopeto, à ça quoi apporter dans la dimension Africa Coulte. C'est ça des choses que j'entignais. Les moyens qu'il peut donner à Africa Cool pour couvrir le Cameroun à cause d'un hôtel de ville, c'est différent. Donc, n'arrivons pas à comme qui congolité, j'allais dire un mot pas propre, congolité, ça, c'est que les choses ne savent pas. Attends, à Katanga. Il y a des gens qui nous ont fermé la porte pour nous recevoir. Et ce gouverneur a fait une interview au Kaboula. Babengi, on a l'air de Fifi Azara qui a fait une interview. Donc, nous avons un peu de temps pour couvrir la communication de la Bango. Donc, merci vraiment, Kolimbate, beaucoup ça, Moussala Malam, avec toute votre équipe. Merci vraiment de cette disponibilité. Yako benga kabiso to l'équipe ba congolais nyo sona mayele te. Donc toujours ça la ko ya biso mama yele ya muke wana pour que to éclairer opinion na biso bazala ya misoga. Merci beaucoup Maître Joël Kitenge. Merci na autorité morale ya Africa Cool télévision moto aboya dédicace ndeti ya Maître Joël Kitenge. On trouvera normal. Te za bien te. Parce que pour ça la nyo so ke zo sala mama lamu e bonga na lwa longonya. Na ndenge ya jalo te na malongonya. Bongo za kubata mawapi puisque loko ya kukweza la gate. Batu nyoso mka bagwe ba bi autorité morale ya likambo za gaye. Oko bata ma team koloni. Autorité morale dédicace spéciale. Voilà Maître Joël Kitenge. Prochaine émission et nous espérons que vous allez na bana kine. Te goza la kine. Na plateau ya Africa. E goza la na kine. Poku na moto na la kine na batu moto kopela ona. Des choses ici, maman, si on a bandi, tu bats à mina, c'est un bête. Vraiment, tu bandes la gisa. Tu bandes la gisa. Voilà, merci beaucoup, Maître Joël Kitenge. Merci, Ming. Merci à toute l'équipe. Il y a Africa Cool Télévision, au Bakita, et puis dans Gambou, il y a Congo Central pour nous couvrir l'élection. Au Batsala, qui est dans Batsala, qui est dans Gambou, qui est dans Batsala, qui est dans bureau, équipe. Immobile et Africa Cool Télévision, Bazo Bossé, Makasi, Djanimba, en tout cas, Longonia Nayo, Igo Zola, le 2 Jires, Jires Loutete, Jires Loutaou, Djani Menga, Boza Penza, ba combattant, Nenge Tolobaka, Nenge Maman Jel Pumba Lobaka, Moussa Pima Kosokola qui est longuité, Ne Longo, ensemble, Nde, Toko, Longa, voilà, clin d'œil spécial à Maman Martine Koulabouna, Oyo, Azo soufflé sur une bougie de plus, et anniversaire à vous, Maman, Maman Regeta Lobby, Bananga ou basta langa surprise bazate mère surprise de koya hein ils a parti remise voilà dédicace à au nouveau marié hein clin d'œil au nouveau marié les couples mayekika ndenge na benga kabango dédé mon majesté Gypsy Milolo dédé à lycée mayekika et puis papa Patrick mayekika à tous les enfants yaya bonheur Hermine Oli Jumile Ope Binonios en tout cas des gros bisous à vous, mes dieux, la maman des trois, dans la Pretoria, les pasteurs douaniers, dans la 4 Kangou, dans la 4 Matadi. Ah! Maître Joël Kitenge. Pasteur douanier, malgré. À mon inné présence, ami terrestre, dans la Matadi. Mais, quand Monika va présenter, quand elle est Oyo, et Africa Cool Télévision, en tout cas, à Yambel Bissot, équipe qui est au Makasi. Merci à vous, le pasteur douanier. Restez connectés, continuez à vous abonner massivement. Bye. À la prochaine. Oui.
Africa cool. Et à ben cool. Africa cool. Et à ben cool. Le quoi cool ma topi. Oh cool. La chaîne Nabiso Africa cool. En tout cas, les chaînes y a bien. Et puis vous êtes très rapide. Ils sont très rapides. Ils achètent mon co, bah quoi ça a bien nos confiance. En tout cas, nazo senga na bato, oyona no ba souscrire bazwa. Donc, ils ont vraiment été au balo bakaki, boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Donc, ils ont kitoko na sepeli na bino, na senga na bato nyonso, bo souscrire ebele, boko zala desute. Africa cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo d'Anabino Maman. Merci beaucoup. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobo Zanamoana, massivement. Africa cool.